Salut à tout le monde, c'est Pinky. Aujourd'hui on se retrouve en direct de Las Vegas chez Fatburger pour réaliser un défi dégustation. Première fois que j'ai fait ce genre de choses sur ma chaîne. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un challenge à réaliser. Le but, c'est simple, c'est de manger, de terminer leur triple XL cheeseburger, quelque chose comme ça. Et en fait, si vous y arrivez, vous avez votre photo accrochée sur un mur dans leur restaurant. Donc, j'ai toujours été un peu, on va dire, friande de ce genre de truc, de challenge, de défi de bouffe, machin, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est très, très commun. Dogs and buns. Matt Stoney won it in 2015. The conditions were tough that day. He was finished at number two here at Nathan's. He's got 45. He's got a five-dog lead. With 71 hot dogs and buns, 12 victories in Coney Island. Aujourd'hui, je vais tenter de le réaliser en votre compagnie. Bon, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, t'étais pas nue. C'est vrai, quand on a regardé la séquence, on avait l'impression que t'étais toute nue. Non, c'est un sans bretelles. Voilà. Donc, alors, tes impressions. Tu viens de commander justement ton triple XL. Alors, tu penses y arriver ou pas? Franchement, de base, j'étais grave... Confiante. Confiante, ouais, merci. Et là, j'ai l'impression que je le suis moins. Ouais. Ouais. T'as pris quoi comme boisson justement? J'ai pris du ice tea, parce que moi, je voulais prendre de l'eau de base, mais l'eau a un goût bizarre, donc mon repas arrive. L'eau a un goût bizarre, donc je sais pas. Non, this is mine. Yeah. Allez. Bon. Les frites sont pour toi? Ouais. Et quand même quelque chose de très sexiste, c'est que le mec quand il a déposé le plat, le truc, il s'est dit ça peut pas être pour moi. Quoi. C'est obligatoirement pour. Mais là, attends, parce que je savais qu'il était gros, mais je savais pas qu'il était à ce point-là, bébé. Il est énorme. Non mais il est lourd. Le truc fait, il y a 800 grammes de viande quasiment à l'intérieur. Hein. Ouais. 750 à peu près. Bah, c'est parti. Ouais, donc je vais commencer de manière, on va dire, assez stratégique. Mais on ne coupera pas le challenge, c'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas une seule fois arrêter de tourner. Si on voit que c'est un petit peu lent et chiant, on accélérera de manière à ce qu'on prouve bien qu'elle a tout mangé toute seule et que je ne l'ai pas aidée d'un iota. À vous, t'en as envie? Même pas, je te jure, j'ai mes petites frites patates douces, moi, ils sont là, je kiffe. Je les mangeais après. Je sais même pas comment faire pour les manger, en fait. Franchement, je sais pas. Allez, on va mettre un petit chrono quand même. Je pense que ça peut être cool de mettre un petit chrono. Ouais, je fais ma technique, ma manière à moi, c'est-à-dire, d'accord? Ok. Quand t'es prête à croquer, j'appuie. Allez, j'ai croqué une première fois dedans lancer le chronomètre. Pour lancer le chronomètre. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Va-t-elle finir le burger de la mort? Donc, combien de viande? 3, 4. Non, mais c'est chaud déjà. Ouais. 700 grammes de viande hachée, hein, c'est ouais. Ça reste 1 kg de viande hachée pour la demoiselle. La demoiselle qui a toujours été fan de challenge dégustation. Souvent, elle passait samedi soir à regarder des challenges à la télé, des Américains qui mangent des gros hot dogs, ouais. Des gros burgers. D'ailleurs, souvent, elle me dit quand même, tu devrais t'y mettre. Attends, j'arrive. Ah, elle a disparu. Elle a disparu pour aller chercher quoi? Elle a disparu pour aller chercher des couverts. Non mais... Le blasphème. Non mais là je suis obligée, mais il est trop énorme, c'est impossible de le manger, le manger blasphème. Normalement. Non, déjà je fais une part de gâteau quoi. Ouais. Je déteste faire ça moi aussi, j'ai jamais compris les gens qui mangent avec des couverts chez McDo mais... Donc elle est obligée de faire par petits morceaux. Franchement. Il est quand même très très gros. Il faut savoir qu'elle n'a pas mangé de la journée exprès pour ce repas. La dalle. Ouais, je ne peux pas beaucoup parler. Hein? Je peux pas beaucoup parler. Non, mais justement, c'est pour ça que j'anime. Il faut savoir que j'ai quand même regardé des astuces avant de partir. Ouais. Des astuces comment faire pour réussir à manger vite et beaucoup. C'est bon au moins? Ouais, c'est très bon, je suis trop chaud. Ah, c'est chaud? Ah, moi j'aime pas quand les burgers sont trop chauds, justement. C'est ça qui me rend ouf depuis tout à l'heure.
Bordel. Hein? Bordel. Ça devient dur. Ah ouais, déjà? T'as même pas mangé la moitié? C'est mon choix, la moitié. Hein? Pour moi, tant que la viande est terminée, je vais finir. Ah ouais? Enfin, je vais finir le tout, mais... Comment tu manges ça? T'es en train d'enlever la viande du burger? Non mais bébé, il fait super... Il est super brûlant. Touche, comment c'est brûlant? Pire, je sais pas, moi. Oh, un morceau de viande. Mais... T'as mis aussi des piments dedans? Cornichons. Cornichons, d'accord. Bon bah écoute, pour l'instant, ça va. J'ai des sueurs. Hein? J'ai des sueurs, quoi. Moi, j'aurais bien aimé que tu le finisses quand même avant les 10 minutes. Juste pour la petite perte, quoi. Ouais, 5 minutes, 6 minutes. Allez, essaie d'accélérer un peu, là. Ah là, le bébé, oh. Essaie d'accélérer. Regardez le profil, on voit ce qu'il y a. Il reste plus grand chose en vrai. Hein. Il reste le morceau de pain. Ouais, voilà, remets-le sur le pain. Tu tapes tout en même temps en repliant comme si tu faisais un tacos. Sachant que tu aimes beaucoup les tacos aussi. Quelle idée d'avoir fait ce challenge. Qu'est-ce qu'il y a cette idée? J'ai même pas demandé les calories, tiens. Ah ouais, ce serait intéressant de savoir. Voilà, là pour moi, je dirais il y a au moins 2-3 000 calories. C'est dur? Ah, je te jure. Attention, c'est vraiment pas mon délire de faire ce genre de choses de base. J'aime bien regarder, mais je le fais pas parce que j'estime que c'est du gâchis de nourriture. Mais comme j'ai pas mangé de la journée, on va dire que j'ai une bonne source de protéines ce soir, quoi. Ouais, c'est clair. Demain, on fait une séance. Mon pote, laisse tomber, j'expose tout. Hein. Ta barre à 70 au développé couché, je te l'expose. Non, mais déjà, on va à la salle juste après, déjà. T'as oublié, normalement, c'est ça qui est prévu. Hein. Ah, si, c'est possible. Et là, tu fais du cardio. Là, du cardio, tu vomis direct. Est-ce que tu veux que j'aille rechercher de la boisson? Ah, mais si tu veux, moi. Et je te pose ça là. Ouais. Il n'y a pas de ketchup aussi. Ok. Attends, je regarde à ce qu'on te cadre bien. Mets-moi le retour écran, c'est avec le sac des bas de coupure qui est pas trop bizarre. Je suis quasiment à la fin, les potes, hein. J'ai quasiment réussi, hein. Franchement, je ne veux pas perdre maintenant, c'est hors de question. Avec tout ce que je viens d'ingérer, c'est hors de question. Est-ce que tu crois que t'as suffisamment avancé pour... Ouais, je suis dans le même état que le mec à côté. My God. Mais ne me fie même pas de profil. Tu vois. Oh, le gros bide. Ah putain la vache. Et là c'est là qu'il me dit bah non mais c'était pas celui-ci en fait, le challenge j'ai fait deux fois plus. C'est vrai que ça paraît faible pour un challenge. Bébé je te jure tu te rends pas compte de ce que j'ai graillé là. Ah, moi je suis sûr que je l'aurais fini facile hein. T'as vu ce que je suis capable de taper deux 280 ou deux Big Tasty. La viande c'est pas la même hein. Bien sûr, mais moi je suis persuadé que je l'aurais fait facile. Tu fais combien de minutes là? Franchement, moi c'est parce que là franchement j'ai pas envie de taper des calories bêtement, mais j'aurais pu faire le challenge, mais le même challenge que toi, mais cette fois-ci chronométré pour faire plus vite que toi. Pas dans le challenge, il faut tout manger et rendre son plateau vide. Allez, c'est bien mon chou. C'est... Et il me reste ça? Là vous vous dites c'est ridicule? Je vous jure, j'ai l'impression que c'est impossible à terminer. Genre, normalement ça a fini son burger. Elle a sa photo sur le mur et elle a un petit certificat qui annonce. Et c'est ça, limite, c'est ça qu'elle a le plus envie d'avoir, c'est son petit certificat comme quoi elle a mangé le triple XL de chez Fat Burger à Las Vegas. Mais si, ça va aller, t'inquiète. Ah, mais enfin. Hein?
Rigole pas, ça va te faire vomir. Genre un steak en moins, ça aurait été bon, quoi. Est-ce que t'as chaud? Non, je me sens pas bien. J'étais haut le cœur, j'ai la tête qui tourne. J'ai le cœur qui palpite, mais grave, en fait, pote. Il faut savoir que des fois, avec Ipek, on s'amuse à faire des repas uniquement à la viande. Et c'est vrai qu'elle dit tout le temps, quand on mange trop de viande, genre elle a la tête qui tourne. Bah, là, la tête, ça doit vraiment, vraiment, vraiment tourner. C'est juste ça, hein. Il y a juste ça à terminer et c'est trop dur, quoi. Elle a fini le dernier morceau. Tu vois, bon, il reste quelques petites choses. Ah, je peux plus, hein. Ah, je peux plus. Dites dans l'espace commentaire ce que vous trouvez que c'est validé ou pas. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'elle fasse 2-3 fourchettes pour tout finir. Oh, bébé, arrête, c'est bon. Bébé, arrête, c'est bon, moi j'ai trop mangé. Après, on verra. Hein. Ça se trouve, le monsieur, il va arriver, il va regarder ton assiette, il va dire « Ah, mademoiselle, il reste des choses. Hein. » Ce n'est pas validé. C'est fini. C'est fini. Voilà. Tu peux aller réclamer ton dû. Je peux pas me lever. Ah mon dieu, rien que te voir manger, j'ai envie de vomir, quoi. On va pas manger les mêmes quantités. Je suis morte. Je suis morte. Je suis littéralement explosée, quoi. Je sais pas si le défi est validé ou non. Selon moi, oui. Parce qu'en fait, en l'avant, je peux retirer les ingrédients là si j'en ai envie. C'est ouais. Écrit, enfin, il m'a demandé. Je vais juste retirer une sauce que j'aime pas américaine, là, la relish, parce que c'est. Oh. Défi validé ou pas? Moi, je trouve qu'il est validé. Est-ce que tu vas demander ta petite carte et ta petite photo? La seule chose que je veux, c'est rentrer dans mon lit et dormir. Jure, tu vas dormir après, là. Je sais pas, mais là, pour l'instant, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Hein. Incapable. Oh. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Put your name right there. Yeah. Can you take a picture over here or over there? Yeah. Be up on the wall. Donc, validé. Elle est en train de remplir son petit... Ça va finir sur le frigo, ça. Ah, je te jure, là, mais énorme, là, mais tu te rends compte. J'ai un ventre, mais énorme. Mon ventre est dans un état, mais pas possible. Et donc, ça finira ici, quand le monsieur aura fait ce qu'il faut. Écoutez les potes, on se retrouve à la fin de la vidéo. Certificat à la main, j'ai réussi à faire ce challenge, mais putain, qu'est-ce que c'était dur. C'est sûr que c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à me dire dans l'espace commentaire si vous en seriez capable, vous, de dévorer cet énorme burger. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais un milliard de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Oh.